monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA en live pour une nouvelle vidéo sur les vêtements, comme j'avais fait au début, je sais pas si vous vous rappelez, quand je présentais des nouveaux vêtements. Donc aujourd'hui on va la vidéo précédente plutôt, pour faire un petit cœur de rappel, c'était pour ressembler à d'Anonymous. Oui, j'espère que je dis bien. Donc comme vous voyez ici, et aujourd'hui c'est pour ressembler à un autre personnage, c'est un mime. Donc on va changer de tenue et je vais vous montrer ça. Donc vous allez dans les vêtements, vous allez dans les hauts. Donc vous prenez la chemise, donc je sais plus c'est quoi ces chemises. Attendez, on va enlever, attendre la veste, voilà. Voilà, c'est dans les chemises brossées, c'est la première chemise qui rentre dans le pantalon avec la salopette, les bretelles. On va la rechercher, mais il n'y a pas de souci. Alors, c'est chemise brossée avec les bretelles, mais je sais plus c'est laquelle. À bretelles, voilà, c'est ça là. Chemise à bretelles. Chemise en jean à bretelles. Vous prenez ça là. Après, vous allez dans accessoires. Moi, j'enlève le masque. Donc si vous avez un masque, vous l'enlevez, logique. On va aller du direction les pantalons. On va prendre un jean. Attendez, faut que j'essaie de me rappeler, parce que comme je note en fait pour les vidéos, je suis en train de noter pour bien me rappeler. Donc je regarde entre deux, en principe c'est dans tri, vous prenez le non attendez, pantalon de costume. Vous prenez baggy noir, le baggy noir. Après en chaussures, hop, chaussures, vous prenez des chaussures chic, richier noir, ou les, je sais pas, ouais, les, attendez, je regarde les je sais plus c'est lesquels qu'il faut prendre. Bon, après vous pourrez prendre des chaussures noires, n'importe lesquelles, soit les marques carcins noirs ou les richelieu noirs. On va prendre les marques carcins, je crois on va prendre, ou les richelieu, je sais pas. On va prendre cela unique, je pense. Attendez que je regarde bien, je fais quand même le tour pour bien vérifier. Et on va prendre les je sais pas quoi prendre en fait, je réfléchis mais je sais pas quoi prendre comme chaussures. Que je prends les mancassins cobra ou pas, je réfléchis parce que en fait je sais pas comment faire si je prends cela. Après il faut des chaussures noires, on va prendre cela, on va faire, attendre, on va chercher quand même sandales, ouais, c'est ça, on va prendre, c'est ça je crois, c'est le mancassin noir ou les richines noires, peu importe. Après vous pouvez prendre des chaussures noires qui vont qui vous plaît. Moi je suis en train de chercher parce que je prends les bonnes chaussures que j'ai vu. Je sais plus du tout c'est lesquels qu'il faut prendre. Bref, après c'est pas grave, voilà, on va prendre cela. J'ai en fait un peu plus, j'ai pas vu, vous prenez des chaussures noires, après des chaussures de ville ou comme vous voulez. On va aller direction les gants, donc on va changer de gants. Moi j'ai les gants noirs, donc on va prendre des gants blancs, donc les blancs on prend. Et on va passer aussi direction un salon de coiffeur. Donc déjà on va revenir ici, attendez, je crois que j'ai oublié un petit truc, on va bien se rappeler, que j'ai pas, enfin, j'essaie de me rappeler ce que j'ai oublié. Ah oui, je vous montre, voilà, vous prenez chemise salopette, chemise en jean avec bretelles. Après vous prenez un jean, vous allez dans baggy noir. En fait je vous remonte tous les trucs que j'ai fait, comme ça c'est en cas j'étais un peu trop vite. Après en chaussures, et j'ai pas demandé de faire ça, mais c'est pas grave. En chaussures, vous prenez les Richelieu noirs unis plutôt. Donc vous prenez sur le n'importe lesquels. En chaussures, vous prenez n'importe lesquels. Moi j'ai pris cela parce que je veux pas. Voilà. Et du coup, ça c'est bon. Déjà, faut, si vous avez une grosse barbe, enlevez là la grosse barbe parce que ça après ça va faire trop dégueulasse. Je vous dis que vous me laissez la barbe, en fait ça va faire dégueulasse.
Et du coup, maintenant, on va aller direction le barbier. Donc, barbier, salon coiffeur. Qui est juste à côté, on va pas se prendre la tête, on va y aller tranquille, voiture, là en mode dérapage. Allez, bim. Alors là, on arrive, on sort de la tuture. Allez, salut mon pote, tu vas tranquille, bien, la baisse. Donc, vous enlevez, si vous avez une grosse barbe bien dégueulasse, vous l'enlevez. Genre, une barbe comme moi, ça va. Ouais, voilà, mon personnage, hein. Il fait un peu. Voilà. Vous prenez le maquillage dans la boîte clown, dans la boîte rouge, je sais plus c'est quoi. Vous prenez celui-là en fait. Hop là, on le ressent à mime. Donc que je regarde. Ouais, c'est ça, c'est le maquillage. Vous prenez le blond qui fait un peu triste. Voilà, vous dites merci. Et maintenant vous mettez un petit chapeau parce que j'ai oublié de vous dire qu'il faut prendre un petit chapeau. Donc un petit chapeau. Voilà, vous cherchez un chapeau. Non, pas ça. Oui, c'est un peu près. Ça peut faire bien un chapeau comme ça ou un gros chapeau comme ça. Après ça, vous devez choisir un petit chapeau n'importe lequel. Il vous faut un chapeau, les copains. Je sais plus c'est quel que je vais prendre. Non, mais toi, pourquoi tu mets une casquette? Non, on va pas mettre ça. Patata, ça va faire moche. Chapeau. Attendez, je crois qu'on va retourner au magasin parce que je crois que j'ai oublié le chapeau et je sais plus c'est lequel qu'il faut prendre. Et je crois que je l'ai pas là, ça me dit rien le nom. On va aller retourner là-bas. Si, comme d'habitude, la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner, de laisser des petits commentaires. Et j'ai une vidéo de vêtements à vous présenter, des tenues. Et si ça vous intéresse, je vais m'habiller à un personnage de GTA qui est connu, des personnes connues. Qui font des vidéos sur YouTube et c'est à vous de deviner des youtubeurs. Donc je vais ressembler à leur personnage sur GTA et à vous de me deviner que je ressemble. Soit je sais pas, je prends un exemple super héros par exemple, je vais ressembler à je sais pas si voilà, je fais des vidéos comme ça en fait. En gros, je prends un exemple, je m'habille en mode voilà, vous prenez une cravate rouge et un autre papillon rouge, j'ai oublié de vous dire. On va revenir ici, je crois que j'ai oublié autre chose. Non, c'est pas là, je crois pas. Merde, j'ai perdu. Donc ouais, je vous disais, il y a des youtubeurs qui font des vidéos sur GTA, donc je vais essayer de m'habiller comme eux et les ressembler et à vous deviner qui c'est à qui je ressemble. Et si vous avez trouvé, bah tant mieux, et comme ça je vais en faire d'autres aussi vidéo si ça vous plaît. Alors faut que je ressemble à des youtubeurs et à vous de me dire à qui je ressemble. Je sais plus, je suis perdu en fait. Je suis en train de parler et je suis perdu. Oui, faut un petit chapeau si vous voulez, un petit chapeau avec. Pantalon, non, c'est pas ici. Y a pas un truc avec des chapeaux. Ça doit être ici, on va aller. Non, c'est des lunettes. Je suis vraiment perdu. Ah non, c'est là-bas, bah oui, je suis bête. Bêtise quand même, parce que je ne prends la vidéo, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez bien compris. Non, on va pas prendre ça, c'est meuf. Casquette, casquette. Chapeau de cowboy. Je ne sais plus comment il faut faire. En fait, je suis en train de lire la liste. En train de lire la liste, en fait, je sais plus qu'est-ce qu'il faut prendre. Oh, sir. Non, pas un casque, un gros casque blondé. Attendez, c'était le don. Non, c'est pas le don. Non, pas casquette. Pas dans les casquettes non plus. Non. Un chapeau, chapeau rond. Ça, c'est le gros chapeau du magicien. À quoi qui ressemble mon chapeau? C'est celui-là. Voilà, vous prenez celui. Non, c'est pas celui-là, là, attendez, que j'ai des bêtises. Parce que j'ai cru l'avoir vu. C'est celui-là, voilà, vous prenez ce chapeau-là. Et vous allez voir qu'on va bien ressembler à un mime. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner, de partager, de laisser des petits commentaires et laisser un max de pouces verts. Et regardez, on va ressembler à un mime. Un mime. Comme je vous disais, je vais essayer de me ressembler à un personnage de GTA sur YouTube, genre. Je donne pas d'indices parce que si je vous donne des indices, bah, vous allez trouver. Donc ça va être simple.
Je vais ressembler à des personnages et à vous de me dire à qui je ressemble, à quel youtubeur, à quel youtubeur. Donc du coup voilà, désolé pour le bégaiement, désolé si je me suis un peu embrouillé dans la vidéo, enfin vraiment désolé, mais c'est des choses qui arrivent. Donc du coup voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner, et moi je vous dis bon game, à très vite sur d'autres